Et bonjour à tous, c'est Locan pour Locan.fr. Aujourd'hui, c'est marqué derrière, comme le port-salut, on va monter en haut de la cascade de la Pisserotte. Ils ont des noms super dans le Vercors. Dans le Vercors, c'est bien ça? Non, c'est la Chartreuse. Dans la Chartreuse, c'est bien aussi la Chartreuse. Enfin, aux alentours de Grenoble, quoi. Donc, comme vous le voyez, le temps n'est pas du tout surévalué. 400 mètres, c'est plat. Hein. Vous regardez, par rapport à ce qui nous attend derrière, ici, c'est plat. 400 mètres en 20 minutes. Vas-y Jean-Louis. Push the tempo, 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 push the tempo. Voilà, donc là il y a la cascade qui est trop jolie, on est tous d'accord, hop, qui est tout à fait en haut. Et puis il y a le petit chemin pour accéder à la cascade qui semble être par là avec un passage sous la flotte, sinon c'est pas marrant. Donc là vous voyez pas, mais c'est quand même méchamment super pentu. Vous voyez l'angle par rapport à mes pieds, on dirait que je marche à l'envers. Donc voilà, on essaye de monter gentiment avec des petits passages dans de l'eau pour arriver en haut et faire une bien jolie vidéo. Donc voilà, pour vos beaux yeux, on est au bord de la cascade à 600 et quelques mètres de hauteur. La cascade donc qu'on a vu tout à l'heure en bas. Alors je vous cache pas que regardez où est mon pied, regardez où est le bord de la falaise, regardez où est l'arbre. Donc c'est dans des moments comme ça qu'on est content qu'il y ait un arbre. Alors j'essaye de vous montrer, mais je sais pas si vous voyez grand chose. Voilà, c'est un peu trop joli. Donc on a devant nous, enfin au fond là-bas, putain on voit pas, la mise au point se fait sur les arbres, on a des petites maisons, etc. C'est vraiment trop mignon. On a l'autre petite fontaine, l'autre petite cascade pardon, qui est juste à droite ici. Et en bas, le vide. Là où on était tout à l'heure, pour vous donner une idée, on va zoomer gentiment. C'est tout en bas ici, voilà. Pour vous donner une idée de là où on était, je suis en zoom 12x. Hein. Vous vous souvenez, en haut de la Bastille, le zoom 12x, ça nous amène au rond-point qui est tout à fait en bas. Donc je vous laisse imaginer, ça tremble beaucoup, désolé. Mais je vous laisse imaginer la petite altitude à laquelle on est ici, tout simplement. Avec notre petite fontaine là-bas derrière. Petite mise au point, s'il vous plaît, merci. Petite cascade, c'est une cascade et non une fontaine. Et encore une fois, voilà, on est au ras. Donc on va essayer de faire pas mal de petites vidéos comme ça dans les mois, les jours à venir. Création d'une nouvelle catégorie dans le podcast. Dans le blog pardon, qui s'appellera Randonnée, puisque c'est très propice ici évidemment à faire des randonnées. C'était Locan pour Locan.fr. Passez une bonne fin de journée. Ciao ciao. Nous sommes perdus dans la forêt, notre seule solution est de manger cette limace. Et oui, dans Man vs Wild épisode 17, nous sommes perdus à la cascade de... Comment ça s'appelle ici? La Pisserotte. De la Pisserotte, ça sera pas coupé au montage. Nous sommes perdus dans la cascade de la Pisserotte. Et ici, cette limace est très riche en protéines. Elle va me faire vomir à peu près 15 minutes après que je l'ai ingurgitée, voire même remonter dans ma trachée, voilà. Heureusement que j'ai quelqu'un qui m'aide à côté pour les... La trachée, c'est respiration. Non, pas la trachée donc. Dans le... Le larynx. Non, c'est pareil. Le gosier. Elle va remonter dans mon gosier et puis sûrement qu'elle arrivera dans ma bouche si je ne la croque pas. Cette limace, comme vous le voyez, va me permettre de survivre pendant les 3 semaines qui restent. C'est sûrement la seule source de protéines que je rencontrerai. Dis bonjour, petite limace. Qu'elle est trop mignonne. Allez, on y va.